Et salut à tous les amis, c'est Cameron et aujourd'hui on se retrouve sur Animal Crossing New Leaf pour la vidéo spéciale Halloween. Il fallait que j'en fasse une, donc voilà, parce que tout simplement parce que je n'avais jamais fait encore de vidéo spéciale Halloween sur Animal Crossing New Leaf sur ma chaîne. J'en avais fait auparavant, mais les vidéos ont été supprimées, donc voilà, on va dire que je n'en ai jamais fait. Donc ma toute première vidéo Halloween. J'ai déjà bien sûr fêté Halloween dans la CNL au moins une fois dans ma vie, bien sûr. Mais voilà, c'est quand même sympa de faire une petite vidéo, même si c'est déjà du, même si c'est du revu et du déjà vu sur YouTube. Bah c'est sympa de fêter Halloween tous les ans, comme ça, de faire une vidéo spéciale. Donc on va y aller. J'ai réglé l'heure et la date pour qu'on soit le soir, la nuit. Nous sommes le 31 octobre et il est 20h30. Aujourd'hui c'est Halloween, tout le monde cherche à récolter un maximum de bonbons. Alors gare au mauvais tour. Oh, j'ai pas acheté de bonbons. On est dans le caca. Alors attendez. La technique de malade. Alors déjà, Halloween, bien sûr, c'est le jour où on perd tous nos vêtements. Donc surtout, ne sortez pas le soir d'Halloween avec une couronne qui coûte 1 million de clochettes sur la tête. Non, ne faites jamais ça. Vous êtes bête si vous faites ça. Parce qu'un habitant va vous transformer cette couronne en une vulgaire citrouille qui coûte à peine 100 clochettes. Donc ça ne va pas servir à grand-chose. Donc moi je vais déposer tous mes précieux vêtements. Je vais m'habiller de façon très clochardise. Je vais mettre... Comment on fait? Ah voilà, porter vêtements. Désolé, j'ai perdu les grandes habitudes. Voilà, hein, c'est très swag. Alors par contre le pantalon... Ce qui me fait chier, c'est que je l'ai payé cher dans un magasin de chez Carla. Donc il faudrait que j'en ai un autre de rechange. Ah tiens. Pantalon Kung-Fu. Ça m'a l'air d'être bien nul. Veste en jean noir. Non. On va déposer tout ça dans le dernier tiroir. Ouais. Ok. Je vais mettre tout ça. Voilà. Je vais aussi enlever mes chaussures. Les chaussettes, je m'en fous. Je ne sais même pas si j'en ai. Non, j'ai pas de chaussettes. Moi, je vais directement les pieds nus dans mes chaussures, ce qui est très pratique. Bottes à coque et pantalon délabré. Ah, mon chapeau et mes lunettes. Mon chapeau et mes lunettes. Mes lunettes, c'est pas cher. Je peux en avoir quand je veux. Je peux en recommander, mais ça m'embête quand même. J'espère qu'ils vont pas changer la couleur de mes cheveux. Vous voyez, je me suis fait une petite coloration dans Animal Crossing. Je me suis mis les cheveux verts. J'ai voulu faire un petit... Comment on appelle ça? Un petit délire. J'ai voulu tenter l'expérience. Ouais, je me prends un petit peu dans la vraie, comme dans la vraie vie, mais bon. Alors, c'est parti. Donc, vous voyez, j'ai déjà commencé l'aménagement pour Noël. J'ai déjà sorti le grand sapin, la petite chaussette de Noël, et même la petite cloche. Voilà. Couronne, pardon. Pourquoi je dis cloche? Je ne sais pas. J'ai aussi le sous-sol dans ma maison. Merde, je suis parti de chez moi sans faire exprès, tant pis. Donc, on va tout de suite aller au magasin parce que je n'ai pas de bonbons, donc j'en suis dans le caca. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. J'ai une lettre de qui il s'agit, je ne sais pas, de maman. Ok, c'est sûrement pour me fêter Halloween, pour m'offrir un beau masque et tout. Alors, je n'ai pas de costume. Voilà, ne criez pas. Ça, il fallait absolument. Oh, puis merde. Hein. Vie en paix, petite fleur. Je n'ai pas de costume, voilà. Donc je suis la pire honte de YouTube, car je n'ai pas de costume le jour d'Halloween. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. J'ai tout prévu, c'est de porter un costume complètement fou, complètement loufoque. Genre, je vais mettre un haut loup, un bas momie, un truc. Je vais mettre des trucs complètement fous, vous allez voir. Alors, s'il y a des trucs complètement fous déjà. Voilà, comme je l'avais prédit, donc je suis dans la merde. Oh, je vais me déguiser en pirate. Allez, hop, c'est parti. Qu'en dites-vous? Je vais me déguiser en pirate. S'il y a une barbe de l'autre côté, ça sera vraiment parfait. On va mettre la tenue tout de suite. Alors, parce que je... Tout simplement, pourquoi j'ai pas eu le temps de prendre un costume et tout ça? Tout simplement parce que j'étais en vacances. Et que je n'avais pas... Si, j'avais mon jeu à CNL avec moi, mais je n'avais pas le temps d'y jouer. Donc, voilà. Ah bah, tenez, tenez, attendez. Oh! Oh oh! Voilà, une barbe. Voilà, on sera le pirate cheveux verts. Après barbe rousse, barbe rouge, je sais plus comment il s'appelait. Après barbe noire et toute la clique, on va être les cheveux, on va être cheveux verts. Voilà, c'est une nouvelle génération de pirates. Donc voilà, le pirate cheveux verts, nouvelle génération de pirates 2015.
Toi-même, tu sais, c'est si ma gueule, voilà. Bref, on va aller récolter des bonbons que je n'ai pas, donc on va essayer d'en acheter. Je crois que c'est là qu'on vend des bonbons. Je ne m'en souviens plus, ça fait un an que j'ai pas fêté Halloween. Comme tout le monde d'ailleurs. Oui, merci. Bon, j'en ai qu'un seul, mais bon, on va le donner à un habitant qu'on aime bien. Je viens de me rendre compte que je viens d'acheter un beau déguisement qui va, plus tard dans la vidéo, être changé en vulgaire momie citrouille mort-vivant. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Je me souviens bien des vêtements dégueulasses qu'on va nous donner plus tard. Mais bon, c'est pas grave. On va à la One Again et on y va. On y va à la One Again, pardon. Je ne parle pas français. C'est parti, c'est parti. Cheveux verts est ici. Il est pieds nus en plus, j'ai oublié d'acheter des chaussures, merde, bon tant pis. Oui, donc, comme je l'ai dit dans une vidéo qui a été supprimée, une vidéo. Putain, mais il y en a partout de ces fleurs, je n'aime pas ça. On est là pour Halloween, Cameron, relaxe-toi. On n'est pas là pour. Oh putain, il y en a une autre là-bas. On est là pour Halloween, on n'est pas là pour les fleurs. Excuse-moi, petite citrouille, tu as un pissenlit à côté de toi, ça me perturbe vraiment. Pourrais-tu t'en aller pour que je l'écrase? Et il est grand en plus, cette citrouillelle. Je vais appeler ça comme ça. Est vraiment très grande. Voilà. Je ne sais pas qui ça peut être. Ah oui, bah Zabou, bien sûr. Ah bah non, elle est chez elle. Bon, eh bien, je ne sais pas qui tu es, mais. Merci beaucoup en tout cas. Oh! Très belle performance, petit pissenlit. 20 sur 20. Toi aussi, j'espère. Désolé, ça me perturbe vraiment. Je suis un gros maniaque. Surtout qu'ici, il est censé avoir des buissons que je cherche depuis des millénaires. Je suis désolé si la console est mal cadrée, mais j'ai pas préparé du tout ça à l'avance. Je crois que c'est le pire Halloween. Ah! Oh bah c'est Jaco! Eh bien vous savez quoi? On va donner une friandise à Jaco. Aujourd'hui c'est le grand jour. Le jour de la fête d'Halloween. T'as la trouille, citrouille. Bref, écoute attentivement mon loyal sujet. J'ai besoin de ton soutien indéfectible. Ne t'inquiète pas. La tâche que je vais te confier n'est pas très truc. Bon, il te faudra porter différents masques et flanquer la pétoche aux gens. Oui, je connais le principe d'Halloween, Jaco. Rapporte-moi un maximum de sucreries et je t'offrirai une récompense digne de ce nom. Je sais plus c'est quoi la récompense par contre. Si c'est des meubles, désolé, mais on a déjà eu tous les meubles. Merde, j'ai refusé son offre. Merde, oui. Pardon, pardon, pardon. Ok, par contre, je suis désolé, mais je te ramènerai aucun bonbon. Quoique si, bah tiens. Non! Je lui ai donné une sucrerie! Enfoiré! Bon, c'est pas. Vous voyez que j'ai pu quand même bien réaménager ma petite ville. Je suis vraiment content. Je vais, voilà, surtout de ce coin que j'aime vraiment beaucoup. On m'a dit qu'il n'y avait pas assez de volume, qu'il n'y avait pas assez d'arbres. J'ai replanté beaucoup de. Tout ce qui est. Tout ce qui est palmier, arbre. J'ai même changé. J'ai une pyramide maintenant. Bon, bref, je vous ferai le tour de ma ville plus tard. Là, on est là pour Halloween. Donc, on va aller voir monsieur. Parce que voilà, on n'est pas là pour rien faire. Alors, des friandises ou des farces? Cameron, mon loyal sujet. Ah, c'est Jaco encore? Ah! Bah tiens, je te cherchais. Bah, tu tombes vraiment à pic, Jaco. J'ai une petite sucrerie pour toi. Nom d'une citrouille, merci. C'est pas une sucette que tu nous donnes à la fin? Donc je crois que les. Ah, un masque! Je veux un masque, j'ai pas de masque. Oui, parce que les meubles, j'en ai un petit peu rien à foutre. D'ailleurs, j'ai déplacé tous les meubles Halloween dans le musée. Parce que dans ma maison, elle a complètement été toute refaite. Elle est magnifique, je trouve. Sans me vanter, bien sûr. Je trouve ma maison magnifique. Bah, de toute façon. J'ai pas. Bah, de toute façon, c'est. Oui, je me vante parce que c'est moi qui ai fait ma maison. Donc, j'ai raison d'être fier de moi. Excusez-moi. Bref, je suis content d'avoir fait ma maison. Je la trouve super belle. Je trouve que j'ai bien travaillé. Et je suis fier de moi. Voilà. Et donc, ma maison, je vous la montrerai dans le tour de ma ville que je ferai très prochainement. Petit rocher, tu es un faux. Je t'ai repéré. Ah oui, j'ai choisi un masque du coup. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Un masque de momie. Ok, donc nous sommes Sire Pirate Momifié. Voilà. La nouvelle génération, début 2016, ici ma gueule, voilà. Allez, on va voir Cédric. Ah non, c'est Rosie. Ah voilà. C'est Rosie. Par ici les friandises. Je n'en ai pas. Je prends le risque. Allez, on va jouer.
T'as pas de bonbons pour moi, c'est pas cool ça. Ah ouais, Thug Life, Rosie, hein? Thug Life. Bref, on va faire un jeu. Je donne une friandise, nanana. Alors, le jeu du mime. Je dois deviner. Ah, ça c'est trop bien. Tu dois deviner. Alors, si on reçoit ça de quelqu'un qu'on aime, on ne peut pas s'empêcher de rougir. C'est quoi? Enfin, pour moi, c'est rougir. Hein. Pour vous, c'est peut-être être gêné, n'importe quoi. Rose rouge, tomate pelée, serpillière mouillée. Une rose rouge. Il y a un ballon qui passe juste au-dessus là. C'est une blague. C'est une excellente réponse. Hihi. Oh, il passe un bonbon! Et ben voilà, les amis. Comment se faire des bonbons en racquettant les habitants? Voilà. Et un ballon que je ne vais pas récupérer car je n'ai absolument pas de place pour le réceptionner. Une friandise ou une farce? T'auras rien. Voilà. Thug Life, moi aussi, c'est la famille. Alors, quoi, tu refuses? T'es peut-être pas au courant, mais si tu me donnes rien, je dois faire une farce. Ok. Ok, vas-y, Bill. Je t'écoute, mon petit ours. Petit ourson bleu. On va jouer à un jeu. Si tu gagnes, je te file une friandise. Ok. Ah, le mime encore, j'aime beaucoup. Alors, je vais mimer quelque chose. C'est parti. Sois bien attentif à mes mouvements, surtout. Tu es prêt? Alors, on l'utilise quand on a froid. Tout de suite, on s'en sent mieux. C'est quoi? Une couette? Une cheminée? Une cheminée, une couette, un radiateur? Un ventilateur? Un radiateur, peut-être, parce qu'un ventilateur. Ah oui. En plus, j'ai failli faire le con, j'ai failli dire ventilateur. Bref, mon cerveau. Alors, une petite friandise. Voilà, on a deux petites friandises. Je vais regarder si j'ai de la place toujours parce que. Oui, il me reste deux places. De toute façon, on va pas passer l'éternité de la journée sur Animal Crossing, les amis. Je vais arrêter la vidéo au bout d'un moment. Non, ne partez pas, je ne vais pas l'arrêter tout de suite. Voyons voir. Est-ce qu'il n'y aurait pas. Non, Lico est chez elle. Tous les meilleurs habitants sont chez eux. Sont chez eux, pardon, je ne parle pas français. On va aller voir chez Cédric. Ah. Ah non, il est là, Cédric. Putain. Bon, il est chez lui aussi. Bon, je ne verrai pas Cédric Ounet pour Halloween. On va aller faire peur à Cédric. Même si. Comment est-ce que j'avais prévu de faire peur à tous les habitants en allant chez eux et tout. Mais comment je vais faire? Puisque là, je suis déguisé en pirate, momie, pieds nus. Ça va pas trop le faire. Donc, je pense qu'il ne va rien se passer. Ou alors, Cédric a perdu son cerveau. Il l'a fait tomber dans la rue, dans une bouche d'égout. Je ne sais pas. Bref, c'est parti. Coucou. Waouh, tu m'as fait sursauter. Ah, attendez, je prends une photo. Parce que Cédric, faire sursauter, voilà. Plus Cédric, c'est mon petit choupi à moi. Waouh, tu m'as fait sursauter. Mais plus par surprise que par peur. Ah merde. Tu en avais après mes friandises, pas vrai? Si tu veux, on peut jouer un petit jeu. Si tu gagnes, je te donnerai une friandise. C'est le jeu du mime? Ah non, regarde où. Ah non, ça c'est horrible et je n'y comprends absolument rien. Alors c'est parti. Poupi, 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 pou. Ok, je vais t'expliquer les règles. Ah, ok, j'ai pas compris le délire du poupipou, mais c'est pas grave. T'es dans ton délire, t'es dans ton cerveau, t'es dans ta life. Vis ta vie, dentifrice, signal plus, je ne sais pas ce que je dis, bref. Ça peut être en haut, à droite, à gauche. Ok. Ah ouais, en fait, c'est le fruit du hasard, c'est complètement con. 1, 1, 1, 1. Miracle. Oh, j'ai. Merci. Le hasard, tu es avec moi, je t'aime. Et ben voilà, hein, comment se faire des friandises? J'ai racketté Cédric. Merci, je vais prendre tes 3000 euros aussi et ta carte bleue. Merci, allez, au revoir. Désolé, Cédric. Je n'ai jamais été ton ami. Je voulais juste ton fric parce que je sais que t'es milliardaire. Et voilà. Je dis vraiment de la merde. Bref, on va faire un dernier habitant et puis on va se laisser. Ah! Non, tu m'as attrapé. Ah bah c'est Jaco, on va lui donner une friandise pour être gentil. Et puis on va lui demander un meuble. En fait, c'est de la merde un peu ces cadeaux parce que les meubles, on les a une semaine avant Halloween ou deux, je ne sais plus. Enfin, non, on les a tout le mois d'octobre et c'est franchement de la merde parce que, voilà, ils nous donnent un truc qu'on peut avoir les semaines d'avant. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est pas. Alors, un beau meuble sur le thème d'Halloween. Un autre masque. Allez, je collectionne les masques, c'est parti. On va voir s'il n'y en a pas un qui fait plus pirate. Filme-moi un petit squelette. Ah, un masque de squelette. Ok, on va changer, on va être le pirate squelette. C'est parti. Alors. Non, ça c'est ma barbe de sortie, celle que je mets pour aller au cirque. Oh! Je peux être le pirate squelette. Ah non, je ne peux pas être les deux. D'accord.
Bon, eh bien, je suis le pirate squelette barbu. Voilà. Génération 2017. Si, si, ma gueule. Voilà. C'est ce que je dirais tout le temps. Bon. Bref, faisons le tour de cette ville. Non, je ne t'aime pas. Attends, j'aime bien les voir courir après moi. On va lui faire tourner en bourrique. Tu cours vraiment comme un débile. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es vraiment con. Allez, suis-moi. Bon, on va arrêter de le torturer, le pauvre. Ah non, c'est Gwen en plus. La pauvre, pardon, Gwen. Alors, des bonbons ou un sort? Elle devrait m'engueuler quand même parce que je l'ai fait courir 3 km sur la place. Bref, tiens, une sucrerie. Bon, allez, on va lui donner une sucrerie. On va pas faire notre gros radin. Allez, tiens. Et le dernier bonbon, je le garde pour moi. Les autres, ils vont se faire foutre. J'ai envie de manger. Magnifique, tu as fait le bon choix. Je vais lui porter tout de suite. Ah, elle aussi, elle bosse pour Jaco. Ah, nous sommes associés. Gangster de luxe, année 2017. Si, si, Gwen. Merci. J'ai pas compris ce que t'as dit après parce que je regardais pas. J'étais dans mon délire de si, si, la famille. Voilà. Donc, reprenons notre cerveau 2 minutes. Je vais. Eh, il y a Victor qui a déménagé. J'ai l'impression de dire mon prénom. Oui, bah, c'est mon prénom, mais j'ai l'impression de m'appeler moi. Bref, vous avez compris. Il y a Victor, l'habitant, c'était qui déjà? C'était un espèce de pingouin avec un mono-sourcil. Pas mono-sourcil, qu'est-ce que je dis? Un pingouin avec des gros yeux méchants et tout ça, jaune et noir, voilà. Voilà, vous avez compris. Il a déménagé, donc sa maison se situait là. Et puis le lendemain, il y a Célia, pouf, elle met sa maison pile au même endroit. Donc je suis assez fier de moi. Si tous les habitants qui partent d'ici peuvent se remettre ici à chaque fois, bah c'est merveilleux. Voilà. Ça m'a fait la même chose pour la maison. Attendez, je vais vous montrer. Ça m'a fait absolument la même chose pour la maison qui se trouve. Faut que je fasse tout le chemin. Ça m'a fait absolument la même chose pour la maison qui se trouve ici. Aujourd'hui, là, c'est Gwen qui est là. Ah non, chez Anna, oui, Anna, un petit chien rose. Voilà. On va aller voir elle. Voilà, c'est elle, Anna. Bon, on la voit pas parce qu'elle a une grosse citrouille dégueulasse sur la tête. Bref, des sucreries ou un sort. Allez, dans tes rêves. On va faire le dernier jeu de la soirée, les amis. C'est quand même une quinzaine de minutes que je tourne. Ou plus, 16, 17, je sais pas, j'ai coupé entre temps, je ne m'en rappelle plus. Alors, on joue la manche gagnante. Pierre, papier, ciseaux. Allez, les ciseaux. Ah, comme par hasard. Je retente les ciseaux. Bon, si tu insistes, je retente les ciseaux. Attendez, j'ai un problème. Bon, je retente les ciseaux. Ah, en fait, le jeu est rusé, hein. Quand on fait la même chose à chaque fois, il nous bat à plate couture, c'est vraiment de la triche. Moi, je suis mécontent, je vais aller me plaindre sur la page officielle d'Animal Crossing. Oui, te vante pas, Anna. Ah, j'ai cru que ça allait pas marcher. Oh, j'ai une robe absolument dégueulasse. Mais pourquoi ils me mettent une robe alors que je suis un garçon? Ça se voit pas, Anna? J'ai même une barbe. Voilà, je me suis laissé pousser la barbe pendant ces 2 dernières semaines. Oh putain, toi, t'as failli m'avoir. Espèce de petit malin. Non! Va-t'en, je ne veux pas y. Non, vous me faites peur. Arrêtez. On va se réfugier derrière cet arbre. Et les amis, je vais vous dire au revoir. Eh bien, les amis, c'était Halloween. J'espère que ça vous aura plu. Une petite vidéo délirante où je n'avais pas mon cerveau. Je l'ai laissé chez moi dans un placard. J'ai mangé la clé. Voilà. D'ailleurs, je la digère très mal. Je crois que j'ai la diarrhée. Bref, je vais pas en rajouter, c'est dégueulasse. Les amis, je vous souhaite à tous un très très joyeux Halloween. J'espère que la vidéo vous aura plu, que mes petits délires aussi vous ont bien fait rire. Parce que voilà, j'essaie d'être de plus en plus drôle dans mes vidéos, j'espère que ça marche. Bref, je vous dis ciao ciao, merci d'avoir regardé. Happy Halloween!